Alléluia. Prends ta Bible comme moi je tiens ma tablette, tu as aussi ma Bible. Hein? Et dis avec moi, ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et dis trois fois Amen. Et assois-toi et sois béni. Sois béni. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet absolument important. Le thème ce matin, c'est le bon combat. C'est en prélude à ce thème que les chantres nous ont proposé ce cantique formidable qui interpelle, qui rassure, qui fait du bien, qui sécurise l'âme et lui offre, n'est-ce pas, une certaine assurance. Étant donné que dans ce cantique, comme je le disais tantôt, Dieu nous rappelle sa fidélité à son alliance. Dis avec moi le bon combat. Je suis tout ému de partager ce sujet avec vous. C'est l'un des sujets que j'ai partagé avec nos frères et sœurs lors de mon récent voyage en Afrique. Et je veux croire que le bien que cela leur a fait, c'est ce bien que cela nous fera ce matin. Redis avec moi encore le bon combat. Prenons nos Bibles en 1 Timothée chapitre 1 et le verset 18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Nous prenons le chapitre 4 du même livre, donc de la même épître, mais en son verset 10. Donc 1 Timothée 4 et le verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Un autre texte, 1 Timothée 6 et le verset 12. 1 Timothée 6, verset 12, je lis. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je relis ce texte parce qu'il est très explicite par rapport au sujet que nous sommes sur le point d'aborder. Donc je reprends 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Enfin, pour cette partie, nous allons prendre 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7.
Là, nous lisons, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est quoi? 2 Timothée chapitre 4. Alors, je lis et puis vous lisez après moi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Le bon combat, c'est l'objet de notre méditation aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire, même si je m'apprête à le dire, mais je suis bien conscient qu'il n'est pas nécessaire de dire du haut de cette chair que la vie est un combat. Parce que cette déclaration n'a rien de théorique. C'est notre quotidien. Quotidiennement, nous combattons. Quotidiennement, nous luttons. Et croyez-moi, ce ne sont pas seulement les pauvres qui luttent. Ce ne sont pas seulement les analphabètes qui luttent. Ce ne sont pas seulement les gens, les immigrés qui luttent. Ce ne sont pas seulement les blancs qui luttent. Ce ne sont pas seulement les Indiens. Mais c'est tout le monde qui lutte. Lorsque nous disons que la vie est un combat, ça s'adresse à tout le monde. Personne n'est en reste. Il se trouve même que certains d'entre nous ont dû combattre ce matin pour être là. C'est-à-dire leur présence ici est une victoire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je dis à certaines personnes au milieu de nous ici, leur présence ce matin, c'est une victoire. Parce que tout était fait pour qu'ils ne soient pas là. L'envie te manquait d'être là. Les dispositions te manquaient d'être là. Mais dans ta tête, tu te dis, je veux être là. Et Dieu merci, le cœur a rejoint la tête. Et tu es là. La vie est un combat, mes amis. Et je l'ai souvent dit, c'est tellement vrai que quand un enfant sort des entrailles de sa mère, le jour de sa naissance, tout le monde sait, l'enfant pousse un cri. Ce cri, on le traduit différemment. Les gens savent que ce cri est le signe que l'enfant vit. Donc c'est un cri qui réjouit. Mais au fond, l'enfant, lui, il ne crie pas pour dire qu'il vit. C'est nous les vivants, nous qui l'accueillons, qui concevons son cri comme le signal de la vie. Mais quand l'enfant crie, c'est parce que l'enfant réalise qu'il est né sur un champ de bataille. L'enfant réalise qu'il est sur un terrain de guerre. Et dans sa conscience d'homme, d'être humain, il pousse ce cri. C'est un cri de guerre. Les scientifiques nous ont même aidé à comprendre que dès les premiers instants de la conception, la cellule qui parvient à devenir enfant a dû vaincre beaucoup d'autres cellules. Hein, je préfère le mot cellule, quoi. A dû vaincre beaucoup d'autres cellules pour parvenir à devenir enfant. Donc déjà là, il y a un combat. Mais pendant que nous parlons de combat et que nous évoquons la conscience de ce combat,
qu'on n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un. Un jour, j'ai vu ma maman et je la voyais souvent, je l'observais. Elle aimait s'asseoir et puis, surtout les soirs, quand elle a fini tous ses travaux domestiques, elle aimait s'asseoir et elle mettait sa main sous sa joue. Comme ça, toujours. Et un jour, je lui ai demandé, mais maman, pourquoi tu aimes cette position? Elle m'a répondu, calmement, mon fils, on n'enseigne pas ça à quelqu'un. Ce sont les circonstances qui imposent cette position. Et croyez-moi, il n'y a pas un être humain qui un jour dans sa vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a encore pas fait ça? Tu peux ne pas en avoir le souvenir. Parce que c'est devenu un réflexe. Et seulement, quelquefois, on réalise seulement qu'on a mis notre main là. Quand quelqu'un nous dit, qu'est-ce que tu as? Et puis on enlève. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. On est loin quelque part. Parce qu'on pense au combat qu'on a mené ou on pense au combat qu'on va avoir à mener. Dis avec moi, combat. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose d'absolument fondamental au sujet du combat. Et je me précipite sur ce que la Bible dit pour vous dire que aux yeux de Dieu, tous les combats ne sont pas bons. Et on les mène quand même. Vous comprenez? Vous savez, les adjectifs qu'on utilise dans le langage humain, que ce soit en français, en anglais, en latin, en grec, peu importe. Mais dans la communication, les adjectifs qu'on utilise sont des mots sélectifs. C'est-à-dire, à partir de l'instant où vous utilisez un adjectif, vous êtes dans la discrimination. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous dites le bon combat, ça veut dire qu'il y a des... C'est ça qu'on appelle la discrimination. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Ça veut dire qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être combattus. Dis avec moi, il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être combattus. Il y a des combats qui ne méritent pas ton énergie. Il y a des combats qui ne méritent pas ta réflexion. Il y a des combats qui ne sont pas nécessaires à combattre. Et si nous ne veillons pas à faire une sélection des combats qu'on doit livrer, on va dilapider, on va dépenser, on va mal utiliser notre énergie pour des combats qui ne sont pas fondamentaux. Et quand les vrais combats vont se présenter à nous, on est déjà fatigué, on n'a plus de force, on ne peut plus combattre. Quelqu'un peut dire amen. Je veux parler du combat, le bon combat. Il y a des combats qu'il faut combattre. Et il y a des combats qu'il ne faut pas combattre. Il y a des combats qu'il faut juste banaliser. Il faut juste ignorer. Parce qu'il y a des combats, en fait, c'est comme si ces combats-là te provoquent. Tu ne les combats pas. Parce que tu sais que tu les combattes ou que tu ne les combattes pas, ça ne changera rien à ta vie. En clair, il y a des combats que nous menons et même quand nous les remportons, ça ne change rien à notre vie. C'est un peu comme quand tu vas à Château Rouge, quelqu'un te provoque, il t'insulte, tu l'insultes, vous rentrez dans un système de conflit. Quand tu as fini ça, ça change quoi à ta vie? Ça change absolument rien à ta vie. Tu es dans un bureau pour une démarche administrative. Ton interlocuteur semble ne pas te comprendre. Il fait la sourde oreille, tu lui parles, il te met en colère. Et si tu te livres à ce combat, tu dépenses ton énergie pour rien. Tu vas avoir des palpitations de cœur, tu vas sortir, quand tu sors du bureau, tu entres dans une sorte de monologue. Tu as commencé à parler seul. Ces gens-là, on ne sait même pas pourquoi. Ils ne savent pas que c'est l'argent du contribuable qui les paye. Ils sont dingues, quoi. Mais en fait, lui, il continue son travail tranquillement. Et toi, tu es en train de devenir dingue sur la route. Tu es en train de devenir dingue parce que tu parles jusqu'à ce que tu entres dans son bureau, tu ne parlais pas seul. Mais dès que tu en es sorti, tu as commencé à parler seul. Ça veut dire que tu as commencé à être dingue. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans un combat qui ne vaut pas la chandelle. Quelqu'un peut dire amen.
Tu t'es engagé dans un combat qui ne vaut pas la peine d'être combattu, qui ne mérite pas ton énergie. Quelle dilapidation! C'est-à-dire, on dilapide, on dépense, on gaspille. Quel gaspillage d'énergie! Imaginez quelqu'un qui a 10 flèches dans son carquois. Vous me suivez? Il a 10 flèches dans son carquois. Et puis, il a son carquois avec lui. Il est assis. Dès qu'il entend un bruit, et puis il tire une flèche. Dès qu'il voit une ombre bouger, il tire. Et puis après, il réalise que... Et il tire sur des cibles imaginées, et finalement, il se retrouve sans flèche. Et à l'instant où il se retrouve sans flèche, un monstre se présente. Et là, ce n'est plus une illusion, mais c'est là... réalité. Un monstre se présente. Et voilà notre bonhomme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend ses jambes au cou. Il va fuir. Le monstre va le poursuivre. Il ne sera plus à même de se défendre. Pourquoi? Parce qu'il a dilapidé son potentiel. Il a gaspillé son énergie. Il a gaspillé sa stratégie pour ce qui ne valait pas la peine d'être combattu. Je prie qu'à l'issue de ce message, Dieu nous assagisse. Et que tu puisses capitaliser, économiser et épargner le peu d'énergie. Vous savez, on est tellement sollicité. Sollicité intellectuellement, sollicité émotionnellement, sollicité professionnellement, sollicité sur tellement de terrains que si nous ne capitalisons pas le peu d'énergie que nous avons, nous serons déstabilisés à notre insu. Et on va abriter en nous toutes sortes de maladies, hyper ou hypotension, stress, constipation. Oui, vous ne le savez pas, mais il y a des constipations qui sont le résultat d'un trouble émotionnel. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont émotionnellement troublés, ils ont des crampes d'estomac. Parce que l'homme est tridimensionnel. Et donc, il y a le phénomène psychosomatique. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le corps affecte l'âme et ce qui se passe dans l'âme affecte le corps. Si nous sommes attentifs à la parole de Dieu, c'est en cela que la parole de Dieu est une vitamine, c'est un remède, c'est une antidote. C'est un antidote qui permet à Dieu de nous soigner, de nous relever. Parce que la parole de Dieu, et même plus que ça, c'est un vaccin. C'est un vaccin. Si tu intègres certains principes, ça te prémunit contre certaines choses. Avant que ces choses ne se manifestent, tu es déjà préparé, tu dis non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. L'alliance qu'il a faite avec moi. Et quand j'écoute la parole et que je m'ouvre à la parole, que j'accueille cette parole sert de balise. Cette parole, Dieu l'utilise pour sécuriser mon âme. Parce que tu le veuilles ou pas, nous sommes sur la terre et il y aura des temps de tempêtes, il y aura des temps d'orages, il y aura des temps de pluie, il y aura des temps d'intempéries, il y aura beaucoup de choses qui vont provoquer le trouble dans ton âme. Et si ton âme n'est pas suffisamment sécurisée, c'est clair que tu vas chanceler. Mais si ça s'arrête au chancellement, Dieu merci, tu peux t'écrouler. Tu peux t'écrouler. Ma prière ce matin, c'est que ce message soit un vaccin pour quelqu'un. Ma prière ce matin, c'est que ce message soit un remède pour quelqu'un. Ma prière ce matin, c'est que ce message soit un moyen pour quelqu'un de se relever.
un moyen pour quelqu'un d'être debout, un moyen pour quelqu'un de continuer le combat. Paul dit à Timothée, d'après les prophéties qui ont été faites à ton sujet, il semble que tu combats le bon combat. Waouh! Parce qu'il y a des gens qui, au contraire de Timothée, combattent des combats qui n'en valent pas la peine. Alors, ce matin, je me propose de décliner un catalogue un peu restreint, ce n'est pas exhaustif, mais un catalogue des combats que nous sommes censés combattre. Des combats qui méritent notre énergie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire pasteur, prêche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Avant de décliner ce catalogue, essayons de comprendre ce que c'est qu'un combat. Vous savez, il y a des fois, on vit certaines expériences dont on n'est pas capable d'expliquer. On vit des expériences que nous ne pouvons pas expliquer. Voilà. On vit des expériences que nous ne pouvons pas expliquer. Ça dit qu'on n'a pas les mots pour décrire l'expérience qu'on vit. On sait seulement que la vie est dure. On sait seulement que nous combattons. Mais on ne sait pas comment définir ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un combat? Le dictionnaire dit qu'un combat est une lutte engagée contre ce qui s'oppose à notre avancement, à notre bonheur, à nos projets. Tout ce qui s'oppose à notre avancement, tout ce qui s'interpose dans notre itinéraire de progression. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le combat. Quand tu vas au lit, et puis le matin, tout naturellement, selon là où tu travailles, c'est à 6h ou c'est à 5h ou c'est, je ne sais pas, tu dois te lever. Le combat commence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, et là, tu dois combattre contre la lourdeur, contre la paresse, contre la négligence, contre l'absentéisme parce que tu as envie d'être absent. Tu as envie d'appeler ton directeur, ton manager, ton chef pour dire, aujourd'hui, là, j'ai des soucis. Et on invente tout et n'importe quoi. Quelquefois, on met ça sur les enfants. Mon enfant est grippé. Et la personne qui doit le garder n'est pas là. Le patron dit, ouais, mais là, on ne peut rien faire. Il faut rester avec l'enfant, c'est important. Dès que tu rapproches, tu dis, j'ai gagné. Est-ce que vous suivez? Et c'est ça le combat, en fait. On combat pour pouvoir être debout. On combat pour pouvoir avancer dans ce qu'on a prévu faire. On combat parce qu'il y a toujours des forces, des présences, des situations qui s'opposent à ce qu'on veut faire. Amen. Maintenant, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, il faut se poser la question de savoir le combat auquel je suis confronté, quelle est sa nature? Est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que c'est un combat qui est fondamental pour ma vie? Est-ce qu'il est décisif? Est-ce que ce combat mérite que je le combatte? Ou bien je dois le banaliser? Quelqu'un peut dire amen? En se demandant la nature du combat, on se demande aussi quelles seront les conséquences majeures si je remporte ce combat? Et quelles seront les conséquences si je ne remporte pas ce combat? Tout ça là, c'est des choses... des questions qu'il faut se poser. Si je ne remporte pas ce combat, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je remporte ce combat, qu'est-ce qui va m'arriver? Amen. Quelle va être l'influence des résultats, des retombées de ce combat sur mon avenir? Quelle va être leur influence? Ces questions-là sont importantes. Alors, cela dit, je vais passer rapidement, je vais énumérer, je vais égrener comme ça les différents combats qu'on doit mener. Et puis, ce sera la fin du message.
Il y a des combats, même que tu sois conscient de cela ou pas, tu dois les mener. Et tu es obligé de les mener. Amen. Le premier sur la liste de ces combats, c'est le combat spirituel. L'apôtre Paul dit, dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, Paul dit ceci de façon très explicite. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter. Le mot lutter est synonyme du mot combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des choses importantes. Quand il dit ça, entre les lignes, il dit qu'on a des luttes à mener. Seulement, il nous explique que notre lutte à nous, là, ça ne doit pas être contre la chair et le sang. Si on lutte contre la chair et le sang, on se trompe de cible. On risque de puiser nos flèches contre des cibles qui ne nous rapporteront rien. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Non, sincèrement, quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Fais comme ça si tu es en train d'être béni. Alors, écoute. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tel est contre moi. Tel en veut à ma vie. Tel s'oppose à moi. Tel m'a fait ceci. Tel m'a fait cela. Si nous sommes mûrs pour comprendre qu'au-delà de ce tel, de ce tel, de ce tel, se tient des esprits qui en veulent réellement à notre vie. Et que ces esprits-là, parce qu'ils n'étant pas chers, se servent de corps pour exprimer leur animosité, pour manifester leur hostilité, pour manifester leur méchanceté. Et c'est l'homme. Il y a quelques années en arrière, il y a une femme qui, à Villemomble, Villemomble c'est ici, dans le 93, c'est vers Rincy et consorts. Alors, cette femme-là, un jour comme ça, un samedi, il y avait ses enfants qui jouaient. Et puis, elle parlait à sa fille. Elle parlait à sa fille pour dire, fais doucement. La fille prenait sa bicyclette et elle renversait tout sur son passage. Et puis, la main lui a donné une fessée. Mais juste comme ça, quoi. Elle dit, arrête ça. Quand elle a fait ça, la fille allait cogner le mur. Elle s'est blessée. La maman était étonnée. Elle était surprise. Comment une tape de cette intensité a pu propulser l'enfant jusqu'au mur? C'est comme si la maman, si c'était une autre femme qui avait fait ça, la maman dirait à la femme, mais tu es méchante, tu veux tuer mon enfant, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et la femme était complètement perdue dans cette affaire. Et elle s'est mise à pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, son fils qui était là, qui assista à la scène, et dont les yeux avaient été ouverts par Dieu, l'enfant, son garçon, les yeux de son enfant avaient été ouverts par Dieu, et l'enfant va dire à sa maman, maman, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu as fait ça, il y a une main qui est rentrée entre toi, ta main, et l'enfant. Mais une main noire, une grosse main qui a tapé l'enfant. Mais en fait, ce n'est pas ton cou qui a fait ça. C'est la main là qui a tapé l'enfant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cet esprit cherchait à créer une occasion pour que la maman fasse ça, pour que lui, il ait une plateforme pour agir. Et que quand il va agir, on ne le confonde pas, on ne dise pas que c'est lui, c'est l'esprit qui agit, mais c'est la femme qui agit. Et c'est comme ça que le diable travaille. C'est pourquoi Paul dit, Éphésiens, comprenez, ne vous attaquez pas à l'être humain. Ne vous attaquez pas à ce que vos yeux voient. Parce que ce que vos yeux voient, ce ne sont pas là vos ennemis. Vos vrais ennemis sont les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui se tiennent dans l'ombre et qui utilisent certaines personnes
que ce soit dans votre entourage immédiat, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans ceci ou dans cela, ça peut être au travail, ça peut être à l'école, partout, ces esprits-là travaillent. Et comme c'est des esprits, il leur faut des instruments humains, des instruments physiques pour exprimer leur animosité. Et Paul dit, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais vous savez, malgré tout ce qui est là, on n'est pas conscient de ce combat. Dès qu'il y a quelque chose, c'est lui qu'on accuse, c'est elle qu'on accuse, c'est l'autre qu'on accuse. On n'est même pas conscient de regarder au-delà de l'être humain ce qui se passe derrière. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On finit par abriter en nous l'animosité des esprits. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu as un combat à combattre. C'est le combat pour avoir la victoire sur les esprits qui sont à tes trousses. Le combat pour avoir la victoire sur des esprits. Et puis ces esprits-là, ce n'est pas toi qui les as créés. Hein? Ces esprits-là, il y a longtemps, ils vivent. Avant toi, ils ont poursuivi d'autres personnes dans ta même famille. Avant toi, ils se sont attaqués à d'autres destinées. Et même pendant qu'ils s'attaquent à toi, ils s'attaquent à d'autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible appelle la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Et si nous ne prenons pas conscience de cette dimension du combat, on est déjà foutu. D'avance, on a perdu. On a perdu. Quand il t'arrive juste. Bon, il y a des gens qui exagèrent, mais on ne va pas parler aujourd'hui des gens qui exagèrent. Parce que j'ai un ami, quand il est chez lui à la maison, ne sachant pas que les enfants sont derrière sa maison en train de jouer. Si un enfant jette une pierre sur son toit, il se lève et puis dit « Satan, 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 Satan !» Bon, ça c'est de l'exagération. Finalement, c'est une phobie. Ça, c'est pas intéressant, c'est trop déséquilibré. Mais que de tels exemples ne nous amènent pas à minimiser la réalité du combat spirituel. Quelqu'un peut dire « Amen ». Tu sais, tu as des ennemis qui te guettent. Il fut un temps, j'habitais Courbevoie. Et c'était en 1991, j'habitais Courbevoie. Et je venais d'arriver en France comme pasteur. Je ne sais pas si je vous ai dit, dans ma vie, je n'ai rien fait d'autre que d'être pasteur. C'est la seule chose que je sais faire. Mais je vous dis une chose, s'il y a possibilité, après la mort, de revenir encore, je dirai à Dieu que je vais être pasteur. Malgré toutes les douleurs, malgré tous les coups qu'on peut prendre, j'accepterai toujours d'être pasteur. C'est trop beau. C'est formidable. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, quand un médecin arrive à faire une greffe de cœur réussie, il fait péter le champagne. Il est heureux. Juste une greffe de cœur qui va permettre à la personne peut-être de vivre un an, deux ans, trois ans. Et puis après, la personne va mourir et ne pourra plus rien faire. Mais quand on est pasteur, ce n'est pas juste une greffe de cœur qu'on fait. Mais on devient le vecteur de transformation de vie. On devient un relais de construction de vie. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a quelques années, il y a une jeune fille qui est venue à l'église. Dès que tu la vois, à son aspect, tu sais que celle-là, si elle met encore un mois pour vivre, c'est que c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu vas croire qu'elle va mourir demain, quoi. Et puis elle a commencé à venir à l'église. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à la prendre en charge. En moins d'un mois, elle a commencé à rayonner. Elle a commencé à rayonner. Et chaque fois que je la voyais, j'étais heureux. C'est une vraie couronne. C'est une vraie couronne. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne. C'est pour ça que malgré les coups, quand on se lève le matin, on veut toujours être pasteur. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de démissionner. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous enseigner, en dehors de l'église et des autres églises, vous ne verrez jamais un tel enseignement dans aucune université. À moins que ce soit une université chrétienne.
On va vous enseigner tout. On peut même vous enseigner le self-défense, les armations. On peut vous enseigner beaucoup de choses, des théories. On peut vous enseigner même comment puiser de l'énergie en vous si vous êtes fatigué. Maintenant, si l'énergie que vous puisez là est finie aussi, vous faites comment? On peut vous enseigner toutes ces choses. Est-ce que vous suivez? On peut vous enseigner toutes ces choses. Mais on ne vous enseignera pas la guerre spirituelle. On ne vous l'enseignera pas. Un jour, il y a un pasteur, il était en mission quelque part en Afrique, un Européen. Et puis, c'était à une époque où les missionnaires n'étaient pas soutenus financièrement comme il fallait. Et il avait fait sa lessive, il avait séché sur son séchoir. Et il était à sa fenêtre, il voit un jeune homme qui vient, il ramasse, il prend ses habits et puis ça va, il vole. Mais en fait, le pasteur, c'est tout ce qu'il avait, qu'il a lavé, qu'il avait séché. Donc, il ne pouvait même pas le poursuivre. Il ne pouvait pas le poursuivre. Et il était hébété, il fait ça. Il a fait ça, il dit, mais pourquoi il me fait ça? Il disait, pourquoi il me fait ça? Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, ce n'est pas juste un voleur, c'est un esprit pour te dépouiller. Prends autorité. Et là, le pasteur s'est ressaisi. Il a dit, tu ramènes mes choses au nom de Jésus. Esprit de vol, je t'ordonne de ramener. Vous savez ce qui s'est passé les instants qui ont suivi? Le jeune homme est revenu avec des larmes. Et le pasteur est descendu à collade. Le jeune homme s'est converti. L'esprit est parti. Si tu comprends la réalité du combat spirituel, tu peux remporter des victoires au travail. Tu arrives, tu n'as rien fait, tu salues ton collègue, ta collègue, ton patron, il est fermé, il est bizarre, et tu rentres dans ton bureau, tu dis, mais j'ai fait quoi? Quand tu rentres, il ne faut pas dire j'ai fait quoi. Quand tu rentres, tu dis, Seigneur, je libère l'atmosphère autour de moi. Les esprits qui sont venus pour piéger ma journée, pour empêcher ma journée d'être ce qu'elle est. Au nom de Jésus, je libère l'atmosphère. Un jour, je m'étais retrouvé dans le métro. En train, on avait fait des prospectus, donc on devrait faire un programme, une croisade d'évangélisation. Et puis, je parlais à un monsieur, on était assis. Et tout au fond du wagon, il y avait une femme, mais je parlais doucement. Je disais au monsieur que le Seigneur est capable de faire des choses. Aucun démon ne résiste au Seigneur. J'étais en train de lui parler, ma voix passe doucement dans le métro. La femme s'est levée de l'autre extrémité du métro. Elle est venue jusqu'à devant moi et dit, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et le monsieur, un blanc, il était un Français, il était étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est la guerre spirituelle qui a commencé. C'est la guerre spirituelle. En fait, je parlais à voix basse, mais l'onde spirituelle était partie et gênée. Pourquoi quand les musulmans font leur minaret et crient matin, ça ne dérange personne? Pourquoi quand les bouddhistes ronflent tous les jours, ça ne dérange personne? Pourquoi quand les jeunes gens font techno, musique techno, ça ne dérange personne? Mais pourquoi quand nous sommes en train de louer, les gens font des pétitions? Pourquoi quand nous sommes en train d'adorer, les gens font des pétitions? Pourquoi? Parce que ça a de la résonance dans le spirituel. Parce que ça a de l'écho dans le spirituel. Parce que c'est une réalité spirituelle. Toi, tu ne comprends pas. Mais je suis là pour te dire une chose. Chaque fois que tu t'agenouilles, même si c'est pour 5 minutes dans ta chambre, écoute-moi très bien. Chaque fois que tu t'agenouilles, même si c'est pour 5 minutes dans ta chambre, même si c'est pour 10 minutes dans ta chambre, tu fais des dégâts dans le royaume des ténèbres. Chaque fois que tu es à genoux et que tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Seigneur, je fais ci, je fais ça. Toi, tu penses que c'est une prière faible. Toi, tu penses que ce sont des mots faibles. Mais je vais te dire quelque chose. C'est des bombes que tu envoies contre le règne des ténèbres. Quelqu'un peut dire amen. La guerre spirituelle est une réalité. C'est pourquoi
Vous savez, on redoute les chrétiens plus que n'importe qui dans ce monde. Croyez-moi, la plupart des lois qui sont faites là, au final, ce sera contre l'Église. Ce sera contre l'Église. Mais pas n'importe quelle Église. Les églises qui disent au nom de Jésus. Les églises où il est question de nouvelle naissance. Les églises où Dieu est accepté, est compris. Dis avec moi la guerre spirituelle. Ça, c'est un combat nécessaire. Et voyez, pourquoi ce combat vient en premier sur la liste? Parce que s'il est remporté, les autres suivront. Il y a une sorte de parallélisme. C'est-à-dire, ce qui est vrai dans le spirituel est vrai dans le physique. Et la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas à toi, mais regarde à la parole de Dieu. Quand tu t'agenouilles et que tu dis, à partir de ce matin, crois-moi, écoute-moi, crois tes prières. Quand tu pries, même si c'est 10 minutes, sois confiant, dis Seigneur merci, parce que j'ai pu te prier 10 minutes. Je sais que ces 10 minutes là, ça fait des dégâts. Ces 10 minutes, ça fait des effets. Ces 10 minutes, oui Dieu, Dieu croit en sa parole. Et nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu. Nous devons croire à nos paroles, à nos prières, à ce que nous disons dans la prière. C'est la guerre spirituelle. Quelqu'un peut dire amen. C'est le premier combat qui vaut la peine d'être combattu. C'est un combat nécessaire. Ne prends rien à la légère. Ne prends rien à la légère. Quelqu'un vient, il t'insulte. Quand il part, tu dis, Seigneur, cet esprit-là qui se comporte comme ça contre moi, je mets fin à ces manifestations. Pourquoi? Je lui ai fait quoi pour m'insulter? Ou bien même toi-même, tu peux être emporté, tu peux t'emporter. Et puis, étant hors de toi-même, dis des choses qui ne sont pas bien. Quand le temps d'accalmie arrive, agenouille-toi pour dire, Seigneur, je ne peux pas être l'expression de cet esprit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma vie n'est pas un boulevard de la méchanceté. Ma vie n'est pas une avenue de la colère. Ma vie n'est pas... Non, Seigneur. Je suis ton temple. Ton esprit est à moi. Donc ton esprit s'exprime à moi. Le fruit de ton esprit se manifeste à moi. Nous sommes en plein dans la guerre spirituelle, mes amis. Il ne faut rien négliger. Je vous ai dit, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais reçu la visite de ma maman pendant 3 mois avant sa mort. Et comme tout enfant, elle m'a demandé de lui offrir un certain nombre. Et elle n'était pas compliquée du tout. Et puis elle regarde les choses, les vieilles choses, serviettes, temps en temps. Elle dit, et puis les couvertures de lit. C'est ça qu'elle veut prendre. J'ai dit, mais ça c'est vieux. Je vais aller t'acheter. Non, il ne faut pas dépenser. C'est pour vous là, je veux prendre. Donc, je fais sa valise et tout ça, son bagage, la veille. Et le matin, avant que je ne l'accompagne à la gare, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit que ta mère n'amène rien de cette maison. Si elle amène une aiguille, le lendemain, c'est ta mort. J'étais déjà pasteur. J'étais pasteur. Mais vous savez, j'aurai l'occasion de vous enseigner la réalité de la guerre spirituelle. Faisons très attention. Hein. Tu fais des faux pas. Tu prends des balles. Tu prends des balles, mais terribles. Et Dieu, merci, il m'a prévenu. Maintenant, il fallait que j'aie la force et le courage de dire à maman, tu défais ta valise. Tu prends rien. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Ça aurait été tellement facile. Mais ce n'est pas ça. Dimanche prochain, le thème du dimanche prochain, c'est les dérangements divins.
je vous parlerai des dérangements divins. En fait, je vous expliquerai comment la volonté de Dieu nous introduit dans des dimensions de conflit et de lutte incroyables. J'étais en lutte avec moi-même. C'est une petite lutte, mais j'étais en lutte. Parce que comment, c'est ma maman quand même. Elle a fait, on a fait sa valise toute heureuse. Elle a dit merci, merci à tout le monde. Et puis maintenant, j'ai dit non. Comment elle va interpréter ça? Elle n'était pas chrétienne. Elle va dire quoi? Je la traite de sorcière? Qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit au Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi les mots appropriés pour pouvoir lui parler. Donc, je l'appelle, je lui dis, maman, tout ce qui est là, je vais t'acheter les mêmes choses, mais nouveaux. Nouveaux. Elle dit, mais là, on s'en va là. J'ai dit, non, non. Et lui, elle dit, Dieu m'a dit de ne rien te donner de la maison. Parce que si tu le fais, je vais mourir. Quand j'ai dit, je vais mourir, elle dit, ah, enlève-toi, enlève-toi. Parce que je suis son unique enfant avec mon père. Elle dit, non, enlève-toi. C'est comme ça que on a tout enlevé. Mais en fait, ce que Dieu m'avait dit, c'est quoi? C'est qu'elle était venue pour 3 mois et les gens dans mon village attendaient qu'elle arrive pour ne prendre que même une aiguille. Et comme ça touchait mon corps, est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est des, au fond, tout ce que tu portes, l'ennemi peut exploiter ça et ça te rend très vulnérable. C'est pour ça, quand vous recevez vos amis à la maison, tel vient, il a porté ton habit, tu dis non. Affaire d'habit, là, ce n'est pas communisme. Non. Ici en France, quelqu'un vient chez toi au nom du Christ. Et puis, tu vas lui donner ceci, tu vas lui donner cela. Non, fais attention. Hein. Fais attention. Fais attention. Ah, mais ta montre-là, elle est belle. Tu peux m'offrir ça. Tu as déjà porté. Va chercher un nouveau pour lui donner. Je suis en train de vous parler de la guerre spirituelle. Il y a des choses que toi, tu peux ne pas comprendre. Fais attention. Fais attention. Je parle de ma propre maman. Elle n'a jamais été sorcière de sa vie. Est-ce que vous voyez ça? La guerre spirituelle. Dis la guerre spirituelle. Le deuxième combat. Prenons Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le deuxième combat, c'est le combat pour demeurer dans la foi. Le combat, mes amis, pour demeurer dans la foi. Il y a des gens qui ont cru hier et qui ne croient plus aujourd'hui. Il y a des gens dont la foi a été vidée de sa substance à cause des problèmes, à cause des épreuves, à cause des situations non contrôlées et incontrôlables. Vous savez, quand dans notre marche avec Dieu, nous ne manifestons pas une certaine aptitude à gérer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les problèmes nous vident de la substance de notre foi. Vident notre foi de sa substance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ainsi que certains frères, certaines sœurs, pendant qu'ils louent, ils chantent. En fait, c'est juste un squelette. Il n'y a pas de substance. C'est juste un squelette. Ils font ça, mais leur foi, il n'y a plus de vigueur dans leur foi. Ils ne croient plus vraiment. Mais ça fait un moment qu'ils sont à l'église. Ils vont faire comment? On fait comment? Mais ils ne croient plus. Hein? Et si, dans le cadre du culte, un frère ou une soeur vient rendre témoignage, quand on dit, dites amen, dit, dites amen, Dieu est fidèle. Amen.
Mais parce que si le regard du pasteur croise son regard, Pierre sa bouche fait quand amen. Mais au fond, il y a plus cette foi. Il y a plus cette foi. Et je n'ai pas l'intention de vous décevoir, mais je vais vous dire une chose. Il y a plein qui vont à l'église, que ce soit ici ou ailleurs, en Afrique comme en Europe, partout. Il y a plein qui vont à l'église mais qui ne croient plus. En fait, leur démarche désormais à l'église, c'est une démarche pour entretenir les apparences. Ils entretiennent les apparences. Ils sauvent les apparences. C'est pour sauver les meubles. Qu'ils viennent à l'église. Mais en fait, ils ne viennent plus parce qu'il y a une foi qui les anime. Ils ne viennent plus parce que, et ce n'est pas parce qu'il y a une foi qui les habite. Ce n'est pas parce qu'il y a une espérance. La Bible ne parle pas seulement d'espérance, mais la Bible parle d'espérance vivante. Espérance vivante. Peu importe ce qui se passe, mais ton espérance doit être vivante. Ta foi doit être vivante. Parce que la Bible parle d'une foi morte. Ça veut dire que la foi peut être vidée de sa substance. Elle est foi en termes d'enveloppe, en termes de carapace. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de vie. Et plusieurs sont là. Vous savez, quand il y a eu la crise qui a frappé fortement la Côte d'Ivoire, le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'est un mauvais souvenir. Je suis désolé de vous rappeler ce souvenir. C'est le besoin de l'illustration qui m'amène sur ce terrain. Alors, quand ils ont arrêté, et qu'ils l'ont arrêté, qu'ils l'ont présenté à la télévision, il y a une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Elle a pris sa Bible. Elle a prêché l'évangile. Par elle, des âmes ont été sauvées. Mais cette situation a dépouillé sa foi immédiatement. Elle a poussé un cri. Elle dit, ça ne vaut plus la peine de suivre Dieu. Waouh! D'autres serviteurs de Dieu l'ont entouré pour dire, tu délies. La Bible dit, pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. Tu délies, tu as prêché un Dieu que tu ne connais pas. Aucune situation n'est perdue dans la main de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Même si nos prières ne sont pas exaucées, ça n'enlève rien à la nature de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu reste Dieu quand tes prières ne sont pas exaucées. Dieu reste Dieu. Quand tu fais des cauchemars, il est toujours Dieu. Dieu reste Dieu. Même quand tu es attaqué, il est toujours Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu quand tu as des témoignages. Dieu n'est pas seulement Dieu quand tu as de l'argent. Dieu n'est pas seulement Dieu quand tu vas bien. Dieu n'est pas seulement Dieu quand tu es en bonne santé. Dieu est Dieu quand tu ne comprends rien. Dieu est Dieu quand tu es rejeté. Dieu est Dieu quand tu es dans le trou. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Le combat pour demeurer dans la foi, mes amis, c'est un combat sérieux. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? D'ailleurs, vous savez ce que Paul a dit à Timothée? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Ça, c'est un géant qui parle. Pourquoi il mentionne le fait d'avoir gardé la foi comme un élément de son témoignage final? S'il vous plaît, là, il est dans son témoignage final. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, premièrement. Deuxièmement, j'ai achevé la course. Et enfin, il dit, pas enfin, mais après, il dit, j'ai gardé la foi. Et quand il dit, j'ai gardé la foi, juste après, il dit, désormais. Il dit, désormais.
Parce que tu peux tout faire. Mais si tu ne restes pas dans la foi, tu vas perdre beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé que ce soit ainsi aujourd'hui. Mais je veux dire à quelqu'un, le combat dans lequel tu es, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Je veux dire à quelqu'un que les choses de la vie que tu ne comprends pas, les difficultés de la vie que tu ne comprends pas, les situations qui sont énigmatiques et dont le caractère mystérieux amplifie ta douleur et ta souffrance, que ces situations-là ne te fassent pas perdre de vue la grandeur de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, la souveraineté de ton Dieu, la capacité de ton Dieu. Dieu reste Dieu, même quand tu ne comprends rien. Dieu reste Dieu quand les situations sont mystérieuses et tu ne dois pas brader ta foi, ta conviction, ta confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mes amis, nous sommes sur un terrain absolument important. Nous sommes en train de toucher du doigt un terrain absolument important. Car comme je le disais tantôt, plusieurs sont dans la maison de Dieu, tapant les mains pour louer Dieu, s'agenouillant pour adorer Dieu, mais en réalité, ils ne le font plus avec foi. C'est vide. C'est vide. Mais comme la société les a connus comme chrétiens, le monde les a connus comme chrétiens, les chrétiens les ont connus comme chrétiens, il faut sauver cette image. Il faut sauver. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils finissent le culte plus fatigués que quand ils venaient. Parce que pendant le culte, ils n'entendent pas grand-chose. Ils n'entendent que la voix de leur douleur, la voix de leur souffrance. Dis à quelqu'un, gardez la foi. Est-ce que Dieu, quand Dieu te regarde, est-ce que ta foi lui sourit? Est-ce que ta foi sourit à Dieu? Est-ce que ta foi sourit à Dieu? En fait, Jean, tout est obscur autour de moi, mais Seigneur, rassure-toi. Tu as toujours ma confiance. Alléluia! J'étais en train de dire, tout est obscur autour de toi. En fait, tu redoutes même que quelqu'un te pose des questions. Parce que toi-même, tu n'as pas d'explication à te donner à toi-même. À plus forte raison à quelqu'un d'autre. Mais, quand Dieu se penche, et puis Dieu se demande, est-ce que tu tiens bon? Et doucement tu le rassures, tu dis, papa, même quand mon corps se détruira, même quand je n'aurai plus de chair sur mes os, même quand tout disparaîtra, mais si mon cœur peut encore dire quelque chose, ça me rappelle ce chant, quand on me coupera les bras, pour ne plus que je puisse acclamer. Quand on m'enlèvera les pieds, pour ne plus que je puisse danser. Quand on m'arrachera la langue, pour ne plus que je puisse chanter. Mon âme continuera de louer l'Éternel. Mon âme continuera de célébrer le Seigneur. Mon âme continuera d'adorer le Seigneur. Tu sais quoi? Si tu peux offrir à Dieu ce cadeau d'une confiance stable, une confiance sûre, une confiance authentique, une foi qui ne se laisse pas déstabiliser, une foi inébranlable, peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu sait que toi seulement, il peut compter sur toi. Dieu sait que toi seulement, il peut compter sur toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu peux offrir à Dieu en don, en cadeau, ta confiance, oh, c'est plus que ta dîme, c'est plus que tes offrandes. Si tu peux offrir à Dieu, parce que Dieu sait. Et vous savez quoi? Le Seigneur se pose des questions. Est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Et quand Dieu te regarde, tu dis oui, Seigneur. Si tu ne trouves pas la foi à gauche, si tu ne trouves pas la foi à droite, tu peux trouver la foi à moi. Alléluia! Tu peux trouver la foi à moi. À moi seulement, tu peux trouver la foi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut fermer la porte. Tout le monde peut te fuir. Tout le monde peut te rejeter. Mais moi seul,
Seigneur, moi seul, même quand je ne saurais pas expliquer pourquoi je continue de compter sur toi, même quand je n'aurai pas d'argument pour justifier la foi que je place en toi, Seigneur, rassure-toi, je te ferai confiance. Mais je vais dire le troisième combat. Prenons un roi, chapitre 19. Et le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, il s'agit du prophète Élie, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Dis avec moi, avec la force que lui donna cette nourriture. Avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Je vais dire certaines choses dans le cadre de ce troisième combat. Et puis le dimanche prochain, je reprendrai sur le troisième combat. Parce qu'il y a des vérités, mes amis, que je m'en voudrais de passer sous silence. Ce serait une tragédie. Et Dieu ne veut pas nous priver de cela. Dieu ne veut pas nous priver de ces vérités. Élie était dans un contexte assez particulier. Et vous savez, il avait fait des espoirs. Il avait défié les prophètes de Baal, mes amis. Ça, c'est un des espoirs que tous ceux qui s'approchent de la Bible retiennent. Élie contre les prophètes de Baal, David contre Goliath. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et ce géant va expérimenter ce qu'on appelle l'épuisement. Dis avec moi l'épuisement. L'épuisement. Point de besoin que j'explique ce mot. Parce que tu es épuisé et tu sais ce que c'est que l'épuisement. Il y a des gens qui sont tellement épuisés. Épuisés. Tellement épuisés. Épuisés de marcher avec Dieu. Épuisés de marcher avec Dieu. Un jour, j'étais tellement épuisé. Il y a très longtemps de cela. J'ai dit à Dieu dans ma prière. Je ne vous conseille pas cette prière. Mais c'était très honnête. J'ai dit au Seigneur, franchement, s'il y avait un autre Dieu que je pouvais suivre et être sauvé, je t'aurais laissé. Toi, je t'aurais laissé. Parce que tu m'éprouves trop. Et en fait, Dieu n'a pas peur de ces mots. Parce que même quand tu ne les dis pas, il les voit dans ton cœur. Une autre fois, ça c'était dans la genèse de ma marche avec le Seigneur, au tout début. J'étais fatigué, fatigué. Je n'avais même pas fait un an encore, j'étais fatigué, fatigué. Donc je me suis levé, honnêtement, j'ai dit, je vais aller voir le pasteur principal. À l'époque c'était le pasteur Yahya Dion Robert. J'ai dit, je vais aller voir le pasteur Dion. Et je ne le ferai pas en cachette, je lui dirai simplement de rayer mon nom sur la liste de ces chrétiens. Je veux cesser d'être chrétien officiellement. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui, après avoir entendu le message sur l'enfer, sur le paradis, sur la nouvelle naissance, tant, après avoir évangélisé, prend la décision d'aller dire, c'est bon, stop pour moi, c'est pas grave, je sais où je vais aller, mais je vais aller. Je suis sorti de la maison. J'ai traversé le bloc de maison qu'il y a. J'étais en train de traverser le parking. J'habitais un quartier qui était tout bitumé. Hein? C'est l'un des quartiers où tu peux marcher pieds nus. Tout est bitumé en Afrique. Tout est bitumé. Et je suis sorti. J'étais sur le parking. Je traverse le parking et j'aborde la grande voie pour aller. Je prends un taxi et puis je m'en vais. Et j'étais sur le parking, j'entends la voix de Dieu. Cette voix, je l'avais entendue lors
de ma rencontre avec le Seigneur. Donc c'est une voix que je reconnais en fait. J'entends la voix de Dieu tonner dans mon oreille. Et le Seigneur me dit ceci. Celui qui a donné la force à David, à Gédéon et à Abraham d'aller jusqu'au bout te donnera la force. Et Dieu ajoute, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu tiendras. J'étais comme ça, fixé sur le parking. Mais l'âme tombait comme un gamin. Et puis, honteusement, je retourne, je regarde à gauche, à droite, si les gens ne m'ont pas vu. En fait, ça se passe dans la conscience. Et je retourne à la maison, je m'agenouille, je dis, Seigneur, je veux continuer avec toi. Le troisième combat que je voudrais décliner avant de nous séparer ce matin, c'est le combat pour rester combatif. C'est le combat pour continuer à combattre. Waouh! Le combat pour continuer à combattre. Vous savez, pour combattre, il faut être capable de combattre pour pouvoir combattre. Si tu n'apprends pas à combattre, tu ne seras plus capable de combattre. Il faut un combat préalable pour avoir l'énergie pour combattre le combat que tu dois combattre. Donc, il faut un combat dans l'antichambre qui va préparer le combat dans un autre domaine. Et ce combat dans l'antichambre, certains ne l'ont pas combattu. Et ils n'ont plus de force pour combattre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de combattre pour rester endurant. Tu as besoin de combattre pour préserver ta détermination. Tu as besoin de combattre pour que ton engagement ne faiblisse pas. Tu as besoin de combattre pour ne pas jeter l'éponge. Vous savez, sur un ring, quand les boxeurs sont en train de combattre, pendant certains rounds, il y a des bosseurs qui prennent des coups terribles. Des coups, mais terribles. Et puis, nous qui assistons à ça, on se dit, mais le type qui l'arrête, quoi? Qui l'arrête? Ça, c'est une vraie boucherie qui l'arrête. Le type, il saigne de partout. Mais quand il va, son coach lui murmure à l'oreille, tu peux encore tenir. Fais un effort. Vas-y. Et quelquefois, le sort du combat change du tout au tout. C'est-à-dire le blessé, celui qu'on considérait comme un perdant avéré, c'est lui qui finit par remporter la victoire. Qu'est-ce que son coach a fait? Son coach l'a boosté. Son coach a tonifié son énergie pour le combat. Et c'est ainsi que Dieu m'a fait comprendre que pour combattre le bon combat, il faut combattre pour rester combatif. Il faut combattre pour rester endurant. Parce que tout le monde n'est pas... On n'est pas endurant à souhait. Oh, on n'est pas endurant à souhait. L'endurance ne se décrète pas. L'endurance se bâtit. L'endurance se construit. Pourquoi? Bien souvent, nous entendons à gauche, à droite, ces refrains de cantiques. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je suis épuisé. Ça, c'est l'un des mots qu'on dit souvent. Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. On le dit sous toutes ses formes, avec toutes ses déclinaisons. On le dit épuisé, fatigué. Je suis vidé. Il y en a qui disent je suis légumé. En fait, tout quoi? Tout passe. Tous les synonymes passent. Mais tu sais pourquoi? Quand tu arrives à ce stade, à partir de ce matin, souviens-toi de quelque chose. Il y a un combat que tu dois mener pour combattre les autres combats. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et puis dimanche prochain, vous connaissez déjà le thème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.